Aujourd'hui, en mobilisation intersyndicale CGT-FSU, surtout sur les personnels et les professionnels du sanitaire et social, et prévention sociale, aide sociale à l'enfance, la PMI aussi, nos collègues de PMI, pour dénoncer le manque d'investissement sur ces missions-là, qui sont des missions obligatoires du département. Nous dénonçons, après avoir essayé de rentrer en contact, à plusieurs reprises, parce que nous, on a quand même une relative... un relationnel assez bon avec l'exécutif jusqu'à présent. Là, ils ne tirent pas les enseignements de nos alertes, ils ne tirent pas les enseignements de ce qui s'est passé pour l'IAS, ils ne tirent pas les enseignements simplement factuels de « on ne peut plus fonctionner l'été avec les MDS tellement on est en manque de personnel parce qu'il y a des épuisements, des burn-out ». Nous, on cible l'exécutif aujourd'hui. Et on avait dit qu'on le ferait, on le fait. Et on va le faire jusqu'à ce qu'ils nous reçoivent. Et on va le faire jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Parce que sinon, on leur promet la guerre. Vous savez qu'on leur promet la guerre, mais le feu dans les... C'est-à-dire que l'atteinte à l'ordre public, il est déjà fait. Puisque quand tu as les réseaux qui t'ouvrent la porte, c'est que l'ordre public, il est plus tenu. Et de suicide, je crois. Et de suicide.